Tout le monde. Alors, donc, que je regarde. Aidez-les tout en cherchant le quartz de lumière. Oui, voilà, c'est ça. On n'avait pas fini le cimetière marin. Du coup, bah, on va y aller. J'oublie à chaque fois que je peux me téléporter directement, ce qui est beaucoup plus simple. Alors, juste avant, je regarde. Parce que du coup, on a un système de gestion sur notre oasis qui a des boutiques appelées Bootsifleurs. Le but, c'est aussi du coup, c'est un RPG, mais non seulement en parallèle, c'est un jeu de gestion. Donc, il faut aussi gérer ces Bootsifleurs. Qu'est-ce qui me manque là-dedans? J'ai pas de courge crieuse. Ok, il faudra que j'aille voir ça. Parce que oui, du coup, plus les Bootsifleurs sont livrés, plus le niveau de bonheur est élevé au niveau de nos habitants. Et du coup, ça induit sur notre barre de vie. C'est-à-dire que du coup, si leur morale est pas top, bah, la barre de vie va être plus basse et du coup, ça va pas trop aider. Toujours pas de petits pétales, ok. Et hop, tac, voilà. On va les livrer, ok. Ça c'est bon. Et donc, vous voyez, là j'ai livré, la barre est remontée en fait. Alors, il n'y a toujours pas de petits pétales là-dedans. Et mon petit cerveau a déjà oublié ce qu'il me fallait. Ah voilà, courge crieuse, c'est ça qui manque. Ah, voilà, lui, il en a des courges crieuses. Je sais pas. J'ai plein d'argent en vrai. Je vais lui en acheter 30. Je ne sais pas quoi faire de mon argent. Hein. Je vous le dis, j'en ai trop. Ok, oui. À une prochaine fois, oui. Certes. Ah oui, mais il faut les faire pousser les courges crieuses aussi. J'avais oublié ça. Parce que moi, je lui achète des graines, je crois que les courges, elles vont pousser par magie, tu sais. Alors, culture déléguée. Il n'y a rien à récolter. Je peux lui donner des graines de courge, ouais. Je vais lui donner des graines de courge. Je vais lui donner toutes les graines de courge. Voilà, tac. Et
Je crois que pour cette histoire de petit pétale, fallait utiliser un personnage. Oui, c'était ça. Je sais pas du coup, est-ce que je suis censé lui donner quelque chose par contre pour un. Je vais lui donner 3 graines de maïs. On va bien voir. Ok. Alors, je réfléchis, je suis censé aller par là. J'explore, hein, j'explore. Alors, déjà, ok. Évidemment, il fallait qu'on nous foute des monstres là parce que sinon c'est pas drôle. Attends. Ah, ah, il fait des dégâts lui. Mais j'ai pas pu me relever avant que tu me fonces dessus, au secours. Elle fait vraiment des dégâts de merde avec son bâton. Je me demande si en retournant sur l'île, il faudrait pas crafter des armes. Parce que là, il est niveau 9, je lui fais 10. Je le touche même pas tellement il est. Enfin, faut lui coller au cul pour le toucher en fait. Ah. Faut ranimer le chef. Ah, c'est ça que j'ai zappé. J'avais dit qu'il fallait que je refasse des potions la prochaine fois. J'ai complètement zappé. Ok. Et là, on est dans la merde en plus parce que il s'est. Il s'est caché derrière les. C'est la galère. Bonjour. Aïe, 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 aïe. Ah, bordel. Au secours. Ah là, c'est pas notre veine. Si on s'en sort vivant, je crois que je vais aller faire un espèce de mini détour. Et puis de toute façon, je peux pas y arriver donc. Ah! Au secours. J'ai fait une giga connerie, moi, en n'allant pas faire de potions directement. Que là c'est la merde du coup. Bon alors attends. En plus je peux pas. Je ne peux pas déclencher l'aquaportail en fait. Alors. Ok. Ça sent le roussi. Ça sent très fort le roussi. Non, on va aller à la dernière sauvegarde, on va pas se ressusciter ici. Qu'est-ce qui me fait. Mais je t'ai pas demandé de montrer le clavier. Alors, du coup, on va s'y prendre autrement. Hein. Alors, là, déjà, on va faire ça. Ce sera mieux. Il va falloir lui donner un autre bâton magique parce que là c'est juste pas possible en fait. Tac.
On va faire des remèdes moyens. On va en faire 5. Voilà. Ok. On va faire d'autres petits remèdes. Voilà. Et du coup, oui, voilà, justement, en parlant des explorations, là, il va falloir faire quelque chose parce que ça ne va pas du tout. Moi, l'épée que j'ai équipée, là, je crois que c'est l'épée Outre-mer, mais je vois qu'on a l'épée étoilée qui est nouvelle et qui est au-dessus. Donc il faut que je regarde si je peux faire une exploration pour avoir des graines brisées. On va faire ça déjà. Et du coup, donc là, on retourne à la place de la fontaine. Et on va commander une exploration. Il me faut donc ok, ah bah c'est bien comme ça parce qu'ils en proposent pas du tout en fait des graines brisées. Merci. Bah écoute, plus d'objets prélevés, plus d'objets en combat. Ah si, si. Graines brisées, c'est en chasse. On va prendre l'équipe conseillée et on va les faire partir. Ok. Voilà. Voilà. Ok, ça c'est bon. Maintenant, je voulais regarder par rapport à mon équipement parce que on va appuyer sur conseil directement. Voilà, ça lui a équipé le dernier. Attends, c'est pas l'épée Outre-mer que j'ai en fait. J'ai l'impression que c'est une épée encore en dessous, ce qui est complètement assez stupide. C'est stupide. Donc ça c'est pareil, on va changer en fait. On va direct à l'arbre à synthèse. Après, c'est l'équipement conseillé, donc je sais. C'est visiblement pas une épée que je peux. Ouais. Moi, j'ai 25. Celle-là, elle a 30. Et celle-là. D'accord. Ouais, donc c'est une épée qu'on a dû me donner en fait. L'épée Outre-mer, elle est en dessous de celle-là. Ok. Ok. Du coup, bon, on va supposer que ça c'est bon. Désolé pour les 1000 allers-retours que je suis en train de faire là, mais le jeu commence à se compliquer et du coup, il va falloir un bon équipement si on veut pouvoir survivre. Ok, donc mécanisme. Hop. Donc, on y retourne. On va sauvegarder ici. Oui. Voilà. Ok. Bon, maintenant, on va par là. Et cette fois-ci, alors, je vais garder le chef de l'oasis, tout simplement parce que
J'ai l'impression qu'on peut atteindre la sphère que en lui balançant des bombes dessus. Et alors déjà, ce serait bien de me faire une attaque chargée. Je sais pas pourquoi tu l'as pas faite, mais aïe aïe aïe. Merci pour m'avoir laissé le temps de me relever. C'est très gentil. Fallait pas. J'ai l'impression que c'est plus compliqué que ça en fait. J'essaie de réfléchir à comment je suis censé. Ah oui, d'accord. Ouais. Aïe, 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 aïe. Là, je commence à galérer sur cette partie-là. Vraiment, ça devient compliqué là. J'avais oublié que le jeu se complexifiait comme ça au bout d'un moment. Non, ah, ah, non, 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 non. Tu veux bien exploser, s'il te plaît? Ah, ça marche pas. Je comprends pas comment je suis censé atteindre le. Je dois vraiment foutre dans le sable le mouvement. D'accord. Ah oui, ok, non, mais vraiment, en fait, c'est. D'accord. Ok, donc là, elle s'est déplacée par là, évidemment. Alors, l'intérêt de taper sur ce machin-là, d'abord, c'est parce que c'est lui qui génère les ennemis, là, tout de suite. Donc, une fois qu'il est pété, il en générera pas d'autres. Par contre, je crois qu'on a nos deux ennemis qui sont par là. Là, c'est bon, là. Ça y est, c'est bon. Du coup, en fait, les bombes ne servaient vraiment à rien, en fait. Elles étaient juste là pour. Enfin, elles étaient juste là pour les ennemis, mais pas pour. Je pensais, mais en fait, non. On va partir sur un remède moyen, écoute. Tac. Alors, on va passer par là. Ah, visiblement, on doit passer par là. Ok. Bah, c'est tampon, écoute. Je peux pas monter là-haut, moi. Faire le tour. Ok. Ah. Pourquoi je sens que j'aurais dû prendre une magicienne avec moi? Ça va demander. À tous les coups, ça va demander de la magie, ça. Donc là, déjà, je peux pas passer. Ok. Là, ouais, effectivement, ouais. Bon, du coup. C'est là où le jeu devient relou, c'est qu'on doit faire 1000 allers-retours pour changer les personnages en fait. Et en fait, qu'est-ce que je fais moi? Mais j'ai une ma... Je dors. J'ai une magicienne dans mon équipe. Je fais n'importe quoi. Je fais n'importe quoi. Je lui ai donné un sceptre magique juste avant en plus, hein, mais ça va aller. Ok. Bon. On va arrêter de perdre du temps, ça pourrait être pas mal. Du coup, toi, tu vas faire de la magie-magie. Et vos idées ont du génie. Ok. Alors. Je dois monter dans sa. D'accord. C'est pas forcément très rassurant, mais ok. Je. Ouais.
Alors, ok, ben on continue, ouais, écoute. Moi, je suis le long de la colonne vertébrale. Non, je peux pas aller plus loin. Ok, bon. Du coup, ça veut dire que... Non, je peux pas passer par là. La porte là? Ok. Il y avait rien sur le côté, non? Ok, non. Ah, ça va être autour de son marteau. Ok. Kaboum. Quelque chose semble avoir bougé dans la salle d'à côté. La salle d'à côté, genre. Là. Ah, il y a un point de sauvegarde ici. Cool. Ok. Vous pouvez maintenant utiliser le point de sauvegarde suivant, fond du cimetière. Ah. On arrive sur le fond du cimetière, ce qui voudrait dire qu'on est... Pas... On doit pas être loin d'un boss ou d'un truc comme ça, vu que, y a une orbe à récupérer. Ouais, et là, on n'a pas ce qu'il faut, donc bah, on va retourner sur nos pas. Ok. Hop. Va peut-être falloir que je reprogramme mon bot là, parce que ça fait un peu harcèlement sur le chat. Je suis en train de voir qu'il y a beaucoup trop de... Beaucoup trop de messages en fait. Ah, du coup je peux réutiliser son pouvoir pour rééclairer la salle. Voilà. Je sais pas si ça m'aide à quelque chose. On va bien regarder en bas ce qui se passe. Ok. Est-ce que c'est ça? D'accord. Ok, évidemment. Parce que sinon c'est pas drôle. Il va falloir taper les pierres. Voilà, pour les faire tomber en premier lieu. Aïe. Ça c'est pas très gentil. Parce qu'il est très long. Donc, alors. Ok. Je sais pas si... Ouais, non. C'est pas hyper... Ok. C'est compliqué, hein. Il est un peu lent, celui avec son marteau. Aïe, 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 aïe. Non, non, ne roule pas dessus. Qu'est-ce qu'il est allé mourir dans le fond là aussi? Je te jure. Alors attends, parce que j'arrive pas à voir ce que je fais. Merci. Aïe. Aïe, aïe, aïe. Alors, j'en ai eu un. La mauvaise nouvelle, c'est que les deux collègues y sont au tapis. Non, 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 non. Ah. Je commence à galérer là, vraiment. C'est pas cool. Arrêtez, arrêtez. Alors. Je l'ai eu, voilà, merci. Ok.
C'est la galère, bonjour. Alors. Ok. Donc, on a ouvert la porte qui était là. J'ai pas accès là. Ah, faut refaire un tour de magie, c'est ça? J'essaie de comprendre. Ok. Tour de magie. Hop. Voilà. Et du coup, maintenant, je peux descendre. Ouais. Et je peux y aller. Oui. Ok. Donc, on emprunte cette porte-là. Ah, qu'est-ce que... Tiens, il y a quelqu'un. C'est un cercle que je n'ai jamais vu. Ok. Tout se passe merveilleusement bien. Il a l'air sympa, lui. Clairvoyance, constance et excellence. Je savais que je pouvais compter sur moi-même. Tentation, hésitation, révélation. Puisqu'il faut citer des trucs, hein. Ah non, pas encore un truc comme ça. Il s'est cassé la figure, quoi. C'est le karma. Ok. Ah, ça c'est pour Mister Marteau. Si j'avais un marteau. Ah non. Arrête de te casser la gueule. Faut les taper juste derrière. Et tac. Hop. Allez, paf. Et de 1. Et de 2. Non. Oui, je tape très fort avec mon marteau, hein, quand même. Oula, qu'est-ce que c'est que ça encore? Lui, il a pas l'air. Ouais, effectivement, il a pas l'air. Il a l'air et la manière. Scaraceros. Ok, tac. Aïe, aïe, aïe. Relève-toi, relève-toi. Tac. Non, non, non. Ok. On l'a eu. On l'a eu. Ok. Alors. Et si on soignait tout ça? Parce que c'est pareil, ça commence à être merdique là, niveau santé. Tac. Bon, bah, visiblement, c'est par là que ça se passe. Donc là, on a un cercle qui était pas. Comment dire? Qui avait pas l'air commode. Visiblement, ah, et moi je me mets direct dans son champ, mais quel abruti. Qu'est-ce que c'est? Ah non, mais non, mais vise. Tape un bug. Aïe, aïe, aïe. Je vais aller péter la. Ouais. Je vais plutôt aller faire ça en fait. Parce que elle va nous saouler. Le mieux c'est de bien la dégommer avant. Voilà. Parce que se faire canarder en même temps qu'on essaie de tuer un ennemi, ça a jamais été très. En fait, c'est plutôt elle que je devrais. Bon, après.
Après, le bâton fait quand même pas énormément de dégâts. Hein. C'est pas le truc le plus fifou du monde, mais j'en fais déjà plus que ce que je faisais tout à l'heure. Voilà. Ok. Bon. Ouais. On va aller récupérer le coffre hein, quand même, parce que bon. Non, non, j'ai pas dit découper le coffre, j'ai dit récupérer le coffre. Miroir du soleil, nouvelle recette, ok, fort bien, écoute, moi ça me convient. Miroir reflet, nouvelle recette. Alors, miroir de la terre aussi, ok. Par où que je vais, moi par contre, t'es gentil, on voit rien. Je monte. Eh ben, on va dire que je monte et que je redescends, visiblement. Ok. Ah. Faut utiliser Lévi, qui va nous faire un beau kaboom, qui va nous permettre de monter. Ah. Je vais y arriver. Je ne vois pas ce que je fais. Au secours. Il fait sombre. En fait, je sais pas à quoi ça me sert. Bonjour, je suis perdu. Alors attends, on va regarder la carte. La carte qui me dit que j'en sais rien du tout, en fait. C'est fou ça. J'en viens là. Ouais, j'en viens. C'est pas facile hein, avec cette luminosité là de savoir où je suis censé aller moi. Watch le dyspraxique galérer avec cette putain de carte. Ça va d'aller. Je peux pas juste tomber par terre. Non. Ok, non. Visiblement, c'est pas dans les. Bon, attends. Je vais y arriver. J'essaie juste de comprendre où je suis censé aller, là. Tac. D'accord. Donc là, je suis redescendu. Cette porte-là, je l'ai déjà faite. Ouais. Que je suis censé aller là, c'est toujours pas ouvert là. Ok, est-ce que j'aurais loupé une étape? Attends. Visiblement, il y a un coffre quelque part. Bon, Micheline, remets la lumière là, s'il te plaît. Je vais essayer de comprendre où j'en suis parce que là je suis complètement paumé. Ok, alors. Ah! Donc là il y avait bien un coffre. Ok, déjà, voilà. Avec un bronze KO. Les bronzes qui sont les sortes de runes du jeu qu'on peut équiper sur les armes, armures, sauf que pour l'instant on peut pas. Donc bref, on peut pas passer par là. Là. Si je passe là. Là, on n'a toujours pas pu y accéder. Là. Là, on en vient. Dans le noir. Ah, mais non, mais je peux pas. Ah, si. Ah, t'es. Ouais, donc là je disais oui, on en vient. Donc il y a eu un souci par rapport à ici en fait. Donc il faut qu'on retourne dans la. Faut qu'on retourne dans la gueule du dino. Ok. C'était ça que je voulais vérifier. Ok. Alors.
Retourne par là. Arranger son bâton pour qu'elle marche plus vite. Tac. Alors. Donc. On était allé là. Sur le côté, il y a un coffre. Il y a des tas de sable en tout cas. Il doit y avoir un tas de sable qui cache un coffre. Tac. Alors, faut savoir que j'ai un sens de l'orientation complètement merdique. Ah, on a trouvé un autre bâton. Bâton campanule. Ok. Tac. Par contre, je peux pas remonter dessus. Donc... C'est par là qu'on n'est pas. Je comprends pas là. Ah oui. Du coup, ouais, il est tombé tout à l'heure, l'autre là. Je comprends. On peut pas passer là parce qu'on n'a pas d'orbe de toute façon. Donc là, on est coincé. J'essaie de comprendre, mais c'est compliqué. Effectivement, est-ce que tac, ouais, ah oui, ok, alors le coffre rouge il est là, et c'est dans le coffre rouge qu'il est l'œuf, donc faut que je reparte, ouais. Faut que je reparte dans l'autre sens. Je vais y arriver. Je vais y arriver. Ouais, merde, qu'est-ce que je viens de faire? Moi, je me suis bouché le passage. Mais je pense que je suis pas. Je dois pas être loin de la fin parce que là, ça commence à faire des événements qui s'imbriquent les uns dans les autres et de façon très, très rapide. Du coup, je dois pas être loin en fait de la fin. Bah non, c'est pas du tout ça en fait. Quoique si je peux rejoindre par là. Oui, je peux rejoindre par là. Non, par là. Là. Hop. Écoute. Moi, il me détend toujours ce jeu-là, donc ça me fait du bien d'y jouer en vrai. Par contre, je suis coincé et ça m'énerve. J'essaie de comprendre comment j'accède à ce foutu coffre rouge là. Alors attends, parce que du coup, je comprends bien qu'il est de l'autre côté de la grosse tête de dinosaure là. Visiblement, il est accessible. Il est ouais.
Ah, mais arrête de tomber, je vais y arriver. Tu tournes trop vite. Donc là, attends, le coffre il est au-dessus de moi. Je fais comment? Alors là. Ah, ça y est. Là, je crois que j'ai compris. Mais... Là, j'ai compris. J'ai compris, j'ai compris. Tac. Voilà. Donc, on monte, on monte, on monte. Par là, et du coup là je suis censé pouvoir passer au-dessus, c'est ça, ouais, voilà. Ouh. Oh le bordel. Ah non, 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 c'est pas ça que je veux faire. Ah, petit freeze. Oh, c'est bon. Ok. Là, généralement, la porte avec l'œuf, c'est la porte qui amène vers le boss, quoi. Tu sais que tu vas te faire péter le cul. Ouais, en plus, là, j'arrive sur une grosse zone vide, bizarrement. Donc, je le sens mal.
Ça sent le boss, quoi. Il y a quelque chose qui va me tomber sur la gueule, je le sens. Re le cercle. Il y a quelqu'un en bas. Ah, attends un peu. Par ici, il y a... Qu'est-ce que c'est que cette merde? Oula, oh bordel. Je vais pas l'aimer lui. Ah ouais, ouais, niveau vitesse, je vais pas aimer du tout, ouais. Effectivement, alors... ok. Ah. Ouais, ok. J'ai trouvé son point faible. Déjà, c'est pas mal. Par contre, je sens que je vais taper avec autre chose. Parce que là, sinon... Ouais, exactement pour ça. Tac, tac, tac. Aïe, 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 aïe. Qu'est-ce qu'il fait? Oh, bordel. Non, 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 non. Aïe, 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 aïe. Oh, bordel. Alors, attends. Il me faut un soin, là. D'urgence, s'il te plaît. Il est où l'autre? Alors, évidemment, le personnage qui tape le plus fort sur ce truc-là, il est aussi le plus lent parce que sinon, c'est pas drôle. Ok, alors, je renouvelle mon équipe, tac. Ouais, je tape beaucoup plus fort avec ça, effectivement. Par contre, ouais, ça va pas être une histoire simple, ton truc là. Score mort, lol. Ou bordel. Qu'est-ce qu'il fait là? Qu'est-ce qu'il fait? Ah, allons, foiré. Ouais, il faut. C'est une histoire de timing entre ranger le marteau et le taper en fait. Il va me suivre, il va me coller au cul. Hop. Tu sens que j'ai pas le time là, je suis en train de jouer le chrono. Non, 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 loin, loin de moi, s'il te plaît, merci. Aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Non, 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 tu me colles au cul là, tu me colles au cul. Casse-toi, aïe, 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 aïe. Faut que j'y arrive. Yes. Ou il est pas content. Ah, c'est un move que j'ai du mal à faire avec ce jeu, c'est penser à ranger son arme parce que quand ils ont leurs armes, ils sont beaucoup plus lents. Et du coup, pour les boss, c'est la merde. Nierk. Nierk, ok. Ah, zut, zut, zut. Tout marchait pourtant comme sur des roulettes. Non, rien. Puisque je te dis que j'ai rien dit. Ok. Pardon, ce que je fais ici? Eh ben, rien. Rien d'important en tout cas. Je suis un simple cercle qui ne fait que passer. Sur ce, j'ai affaire. Au revoir. Ok, au revoir.
Ce cercle, il avait l'air bizarre. J'espère qu'il n'est pas blessé. Il est tombé de haut, mais il avait l'air d'aller bien, non? Je sais pas, moi je m'en fiche. Vas-y, Granit, continue jusqu'au bout et tu trouveras certainement le quartz de lumière. Les jeux Nintendo qui te spoilent pas du tout que tu vas trouver l'artefact. Parce que tu vas trouver l'artefact de toute façon. Bon. Alors. Vas-y, on va prendre Granit quand même. Histoire de. I am the big boss. I am. Oh là là, c'est un coffre. Qu'est-ce qu'il peut y avoir dedans? Merci d'avoir dissipé le chaos qui s'était immiscé sur ces terres. Je suis le gardien du quartz de lumière abrité en ces lieux, le quartz vert. Autrefois, les gens d'ici vivaient en harmonie avec les autres créatures. Mais, piqués par je ne sais quelle folie, ils se sont mis à le repousser pour s'accaparer toute la terre. La rage du Skormar géant était celle de toutes ces créatures bannies de leur propre territoire. Mais cette colère est apaisée à présent, un grand merci à toi. Tu es l'espoir de celles et ceux qui sommeillent en ces terres, c'est pourquoi j'ai décidé de te remettre le quartz vert. Ok. Fais souffler ton tourbillon par ici, s'il te plaît. Eh ben go, hein, écoute. Hop. Ça brille. Ok. Vous avez obtenu le quartz vert. Ok. Ce quartz vert devrait permettre à ton oasis de retrouver la lumière. Mais n'oublie jamais que les quartz de lumière reflètent la lumière et l'ombre du cœur de ceux qui les possèdent. Tâche, ô enfant du grand arbre, de toujours remplir ton cœur de lumière. Ok. Tu as réussi, Granit. C'est le deuxième quartz de lumière. Avec ça, je suis sûr qu'on pourra repousser à nouveau le chaos. Je t'attends à l'oasis. Fais attention à toi en rentrant. Ok, je vais faire ça. Et ceci est un portail. Oui. C'est pas tout ça moi, mais j'ai soif quand même. Je déblatère depuis tout à l'heure. On a eu des passages de niveau. Donc, Maria est passée au niveau 7. Elle a une puissance d'attaque plus. Ok. D'accord, ils ne me font pas le résumé des autres. Il n'y en a pas qu'une qui est passée. Mais ok. Bon, du coup, normalement. Alors, il y avait un truc qui était fini là. Je vais juste récupérer mon exploration déléguée, du coup. Ouais. Bien. Niu qui est passé au niveau 8. Alana au niveau 8. Et Ruben au niveau 8. Comme c'est. Est-ce que j'ai eu ce que je voulais? Ouais. J'ai eu des graines brisées. C'est cool. C'est très cool. Ok. Eh ben, c'est exactement ça qu'il me fallait. Et j'ai des trucs à cueillir. Oui. Ce que je ne comprends pas. Je comprends toujours pas c'est quoi le délire avec ces petits pétales. Je vais juste regarder un truc. Ah. C'est dans le désert de Kiar qu'il y a des petits pétales. Ok. Ah, parce que j'ai besoin de petits pétales depuis un moment. Et je n'en trouve pas. Du coup, c'était bien que c'était quelque part. Ça, est-ce que je. Livraison groupée. Ok.
Ça marche. Donc ça, c'est pas bon encore. Et j'ai oublié de planter les graines de courge. Je sais plus. Okay. Ah là, il n'y a plus rien dedans. C'est critique quand même. Tac. Les fruits sucrés, j'en ai jamais. Bientôt t'en avoir, t'inquiète. Ok, hop, on livre tout le monde. Comme ça, ils sont contents. Voilà, la barre elle est bien remontée. Et on va aller direct au sanctuaire du génie parce que il faut lui parler. Contente que tu sois de retour, Granite. Bon, je vais utiliser le quartz vert sans plus tarder. Ok. C'est incroyable, je sens une force immense. Haha, avec une telle puissance, je vais balayer le chaos comme un vulgaire fétu de paille. Fais-toi plaisir, hein, écoute. S'il y a que ça pour te faire plaisir. Moi, ça me va. Ah. Eh bah dis donc. Elle devient... Elle s'est métamorphosée. Regardez-moi ça. Elle a du bling bling sur elle. C'est parti. Ok, trop bien, trop bien. Donc là, grâce à la lumière du quartz vert, vous pouvez maintenant ressusciter deux fois. C'est cool. Ça a marché, Granite. L'oasis a retrouvé son aspect normal. On a deux quartz de lumière. Il ne nous en manque plus qu'un. Et donc voilà, c'est ce que je disais, on arrive sur la fin du jeu là. À mon avis, on en a un pour encore peut-être 2-3 épisodes et puis ce sera fini. Avec la force du troisième quartz, on pourra se débarrasser du chaos et agrandir l'oasis encore bien davantage. Ok, d'accord, donc maintenant je sors. Il y a quelqu'un qui va venir me parler, c'est ça? Ah, elle va me reparler, ouais, ok. Dis Granite, si on bavardait encore un peu tous les deux. Ok. On a de plus en plus d'alliés. Et puis, l'arc-en-ciel a gagné en puissance depuis qu'on a mis la main sur le deuxième quartz de lumière. On a fait un pas de plus vers ce monde dont je rêve, libéré du chaos où chacun pourra vivre heureux, tu ne crois pas? C'est parce que tu ne rechignes pas à la tâche, tu te donnes toujours à fond. Merci, vraiment merci. Il faut qu'on renforce encore davantage l'éclat de cet arc-en-ciel. Ouais. Quoi? Ce sont nos alliés qui nous permettront de donner plus d'éclat à l'arc-en-ciel? Ah bon? C'est ton frère qui t'a appris ça? Ton frère t'a enseigné ce qu'il y a de plus précieux chez un chef, l'importance d'écouter son cœur. Oui, tu as raison. Les quartz sont importants, mais ce qui compte, c'est de rassembler des alliés et de tout faire pour qu'ils soient heureux. Avec de nombreux alliés et les quartz de lumière en prime, on n'aura plus rien à craindre du chaos. Et puis, je pense que si le chaos disparaissait, les monstres du chaos retrouveraient leur forme originelle. Qu'est-ce qui t'arrive, Granite? Tu te demandes comment naissent les monstres du chaos? Je crois que je n'en sais pas beaucoup plus que toi, mais...
Tu te souviens quand je t'ai raconté qu'autrefois le monde était couvert de végétation? Eh bien, à l'époque, il n'y avait pas de monstres du chaos. Les monstres du chaos, ce sont des animaux qui se sont transformés en monstres à cause du chaos. Mais le chaos ne s'est pas contenté des animaux, il s'en est aussi pris aux granéens et aux animéens. Le chaos s'insinue dans l'âme de ceux qui ont été blessés par la vie ou frappés par la tristesse. C'est un peu nul quand même. Puis il prend le contrôle de leur cœur et de leur corps. Aman Dieu. Si l'on chasse le chaos qui s'est insinué dans les monstres du chaos, ils reprennent leur forme d'animal. Mais on ne peut pas chasser le chaos qui a pénétré l'âme des granéens et des animéens sans les tuer. Le chaos brise le bonheur de tous et de chacun. C'est le mal. Toi aussi, Granit, il faut que tu fasses attention à toi. Je suis si heureuse de pouvoir discuter comme ça avec toi. Chaque jour en ta compagnie est un vrai plaisir. S'il t'arrivait quelque chose, je ne sais pas ce que je ferais. Mieux vaut ne pas y penser. Mais si le chaos ne nous aura pas, ensemble, on va faire la plus belle oasis que la Terre ait jamais portée. Et dans ce havre de bonheur, on pourra continuer à bavarder comme ça tous les deux, toi et moi. On sera toujours ensemble, Granit, toujours. Ah, mon Dieu! Elle veut me prendre en otage, au secours! Je sais pas. Je me demande si cette oasis voudra bien accueillir une vagabonde telle que moi. Cette granéenne au parler soutenu voyageait sans but. Ok. Donc là, on a un autre marchand qui est arrivé. Et du coup, bah, je propose qu'on se quitte là-dessus, en fait. On a bien avancé, on a recueilli la deuxième pierre qui nous manquait pour vaincre le chaos, n'est-ce pas? Du coup, on va se laisser là-dessus, et puis on reprendra la prochaine fois pour... Je vais y arriver. Pour de nouvelles aventures sur Ever Oasis. Et puis en attendant, prenez soin de vous. Passez une bonne nuit, une bonne soirée. Et je vous fais des bisous.